Salut tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo détente où je vais vous parler de la vidéo sur le mythe de la cité 10. Y a pas à dire, je n'ai pas beaucoup d'expérience en ce qui concerne la vidéo pour l'instant. En tout cas, ce que je sais, c'est que passer plusieurs heures dans le vide, c'est décourageant. Pour ceux qui ne savaient pas, il y a plusieurs phases différentes pour réaliser une vidéo comme les miennes. Et pour cette deuxième vidéo, aucune phase ne se passa correctement. On commence par l'écriture que j'ai commencé au courant des vacances d'avril. Là, le premier problème est simple. Et il faut le dire, sans véritable importance, car les recherches sur les mythes, surtout sur la cité 10, sont longues. Je devais trouver une version qui me plaisait. Et ça, c'est comme la vidéo sur la fondation de Romulus et Rémus. Bref, les vrais problèmes arrivent pendant la prise de son. Pendant 2 heures, je n'ai pas arrêté de faire toutes les parties pour tout avoir en avance, et il ne me reste plus que le montage à faire. Sur cette étape, j'ai perdu 1h55. Pour la première vidéo, il m'a fallu 1 heure, pour vous donner une idée. Nous sommes donc à 1h55. Ça va, vous allez me dire, mais c'est rien comparé au montage de la première partie. J'ai travaillé durant une dizaine d'heures, car j'ai un PC un peu lent, et des effets un peu complexes. Tout ça sur une semaine, en faisant des sauvegardes régulières. Et bah devinez quoi, au bout de ces 10 heures, mon logiciel ainsi que mon PC ont planté et j'ai perdu 5 minutes de travail que je venais d'effectuer. Pas grave, me diriez-vous. Ouais, le problème, c'est que quand j'ai voulu reprendre les sauvegardes, celles-ci avaient soit disparu, soit ne pouvaient plus être ouvertes. Donc on ajoute 10 heures à notre compte. Après une nouvelle semaine de montage, c'est pour ça que la vidéo est sortie une semaine après la date prévue, je m'attaque à la deuxième partie de la vidéo. Et là j'entends un son Discord. Je n'avais pas la possibilité de refaire une prise de son, et je ne pouvais pas retirer le son, celui-ci étant collé à ma voix. Il m'a donc fallu une idée pour utiliser ce son. Et j'ai fait en sorte que c'est le diable qui a envoyé le message. Il m'a fallu 3 heures pour créer le compte, découper ce qui m'intéressait et trouver une animation correcte et précise pour ce que je voulais. Je termine le montage et je suis à 14 heures de montage utile et 14h55 à peu près de temps perdu. Ce qui fait plus de 50% du temps que je peux dédier aux vidéos dans le vide. Et la vidéo sort finalement le 13 mai 2021, 10 jours après la date prévue. Et précisément un mois après que j'ai annoncé sa sortie. Que peut-on dire en conclusion? Déjà, plus jamais ça, vraiment. C'est terriblement long, mais je n'ai pas baissé les bras, et résultat, c'est ma vidéo préférée que j'ai pu faire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je suis très heureux d'avoir pu faire ce petit moment détente, et j'espère par ailleurs de vous avoir diverti en vous racontant ce qui se passe derrière votre écran. J'ai hâte de vous retrouver le mois prochain pour une vidéo bien plus importante et longue, mais d'ici là, vous pouvez me rejoindre sur le serveur officiel de la chaîne, le lien est dans la description, abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour partager ce que vous pensez de ce petit problème. Ça me fera très plaisir. Je vous dis à la prochaine et salut les amis!